Bruno Moreau, bonjour. Vous êtes syndic de Bonjour. copropriété à Paris. Alors, quelles sont les conséquences d'une telle loi pour les copropriétés, notamment celles de moins de 200 lots principaux? Alors, le projet de loi Duflot, tel qu'on l'a vu arriver sur nos bureaux, va alourdir la gestion des copropriétés de moins de 200 lots, c'est évident. On retire aussi la capacité à ces copropriétés de pouvoir être autodirective et de pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes, et on leur impose un tas de lois qui ne leur permettra plus forcément de pouvoir prendre les décisions qu'ils ont envie de faire et la manière dont ils voudront gérer leur patrimoine. Et vous auriez un exemple d'alourdissement en termes de gestion de ce type de copropriété? Oui, bien sûr. Alors, au niveau du syndic, la création d'un compte bancaire séparé, voire de deux, voire de trois comptes bancaires séparés pour des toutes petites copropriétés est une véritable catastrophe pour la gestion au quotidien de ces immeubles. Un syndic de copropriété, ça vend du temps. Et là, en pratique, en termes de comptabilité, au lieu d'avoir, par exemple, un seul relevé de compte bancaire, on en aura une centaine. Il faudra donc avoir 100 classeurs, il faudra donc les mettre tout bêtement dans une armoire, ça prendra plus de place dans nos cabinets comptables. Ça nous obligera également à avoir des comptables qui vont passer plus de temps à classer les relevés de banque. La notion également de créer un compte séparé que pour les travaux, quand il y a des campagnes de travaux avec impossibilité de compenser l'un par l'autre, va générer des problèmes au niveau des copropriétaires. Après, l'émission des règlements, c'est pareil, on va avoir beaucoup plus de trafic, vu que nous, on réglait principalement par virement groupé un seul fournisseur pour plusieurs immeubles, mais avec une traçabilité, avec une liste des paiements faits. Ça ne me paraît pas être du tout adapté à la gestion d'une copropriété de petite taille, ce qui fait que ce qu'on va être amené à générer en plus en comptabilité sera moins de disponibilité sur le terrain ou fatalement une augmentation de nos honoraires d'une manière significative à cause de cette réglementation. Dans la loi Allure, il est prévu que les frais d'avocat exposés par le syndicat des copropriétaires pour un copropriétaire défaillant soient à la charge de ce dernier. C'est une bonne idée, non? Oui, tout à fait. C'est un des seuls éléments qui est positif pour la réglementation qui nous est proposée, en sachant que ça va amener quand même une difficulté, que dans le cadre d'un compte bancaire séparé, là encore, on parle toujours de la même chose, ça n'amènera pas de trésorerie pour autant au sein de l'immeuble. Donc soit il va falloir qu'on augmente les budgets en intégrant systématiquement des lignes de budget pour des frais de procédure, ou d'augmenter le fonds de réserve pour pouvoir faire face aux défaillances momentanées d'un copropriétaire, car on a des échéances qui ne souffriront pas d'être payées avec du retard. Ça va donc générer des agios de banque et donc des frais supplémentaires pour la copropriété. Bien, merci, Monsieur Moreau. De rien, bonne journée.